Pommeau de douche. Ah oui, je veux trop changer son pommeau de douche. C'est pas évident. Tu te sens de le monter là ce soir? Ouais, bah tu vois. Je déteste le bricolage. Pas mal du tout. Je pense qu'on va quand même garder ça parce que c'est quand même le plat où il me faisait mes frites. Donc c'est un plat très important. Regardez juste l'état. Donc on revient demain, je sais pas comment ça va se passer parce que littéralement on n'a pas le temps demain. Et je vous rappelle que l'appartement ressemble à ça. Mais ça va le faire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et pour le coup, je sais que je le dis souvent, mais elle est assez spéciale. Vous savez que je parle pas forcément beaucoup de ma famille sur les réseaux sociaux, mais là je suis dans le sud et mon père habite dans le sud. Pour vous expliquer un petit peu, il a eu des petits soucis de santé, ce qui a fait qu'il a dû aller à l'hôpital. Et il va être transféré à Paris. En attendant, il est ici dans la maison qu'on a louée, il est en bas. Parce qu'il habite dans un appart et que là, bah, comme on avait la maison, c'était quand même beaucoup mieux. Il est là pour quelques jours et d'ailleurs demain il repart à Paris. Enfin, il va à Paris. Son appartement, donc littéralement là où j'ai grandi, bah il a rien changé depuis des années. Je veux dire, c'est un papa. Il change rien. Comme là, il y est pas. Et c'est sûrement le seul moment de ma vie où j'aurai accès à cet appart sans qu'il soit là. Je me suis dit que j'allais lui faire une petite surprise. Donc là, je lui ai dit que genre j'avais des rendez-vous et que je devais partir avec Jérémy. Et je vais lui acheter plein de trucs. Ça fait 15 ans qu'il a les mêmes serviettes de bain, les mêmes draps, les mêmes assiettes. Enfin, voilà quoi. Normal. Mais je sais que quand il va rentrer de l'hôpital, si je change l'appartement et que j'achète des nouvelles choses, qu'il y a du changement, je pense que ça va lui faire trop du bien et il va être trop content. On va d'abord aller à l'appart, faire un état des lieux, faire une liste genre de trucs à acheter pour lui donner un petit coup de neuf quoi. Let's go! Ça y est, je suis arrivée, il y a Jérémy avec moi. Voilà comment ça se présente, il y a les volets qui sont quasiment fermés partout parce qu'il fait tellement chaud qu'on essaye de préserver un peu le frais à l'intérieur. Pour le salon, bon j'ai mis un peu de bazar, j'ai été là pendant 2 jours. Avant d'avoir la maison, donc en vrai, j'ai un peu mis le bazar. Mon père n'est pas au courant, donc ça va. Ici, il y a un meuble télé, voilà. Regardez. Qui garde des photos d'identité à part des parents? Genre exposées comme ça. Je vous jure que c'est trop un truc de parents, de faire des trucs comme ça. Là, en fait, c'est la table. En fait, comme bah, il était pas trop là, normalement, en fait, il y a un tapis et la table par-dessus, la table basse. Sauf que là, du coup, il n'y a rien installé. Donc ce soir, je vais tout bien faire. Là, il y a une chaise et des coussins, etc. qu'il avait mis pour moi. Voilà, bon, le canapé. La table, il y a un vélo qui doit vendre dans le salon. Et là c'est un dressing. Donc en vrai pour ici, je vais voir si je trouve des petits objets de déco à mettre. Mais j'ai pas beaucoup d'idées pour le salon. Faut voir, franchement je sais pas trop. Ici il y a la cuisine, bon je vais pas tout vous montrer. Mais du coup je sais exactement ce que je veux faire. Je veux changer toute la vaisselle. Parce que ça fait trop longtemps que c'est là. Et je pense que ça va lui faire trop plaisir que tout soit hyper bien rangé, etc. Go changer ces verres dans lesquels je buvais mes Diabolo Grenadine quand j'étais petite. Et j'aimerais bien, si j'arrive à trouver ça, prendre des poêles, des casseroles, etc. On va voir. Mais un peu lui remettre la cuisine à neuf, entre guillemets. La bouilloire, pareil. Elle est vraiment vieille et ça y est, elle a fait son temps. Donc go la changer. Et ensuite, franchement, ça va dépendre de ce que je trouve sur place aussi. S'il y a des trucs intéressants, ben je les prendrai. Ensuite, dans le couloir, il y a la salle de bain. Cette salle de bain, bon, elle est basique, mais il y a un truc, mais vraiment ça, c'est terminé. Papa, si tu vois cette vidéo, je ne peux plus. C'est plus possible. Cette chose qui est censée tenir les produits, qui du coup n'en tient absolument pas, je ne peux plus. Je vais lui acheter, vous savez, des trucs pour mettre sa brosse à dents, du savon, etc. Et ici, il y a toujours eu ces serviettes. Bah, vous avez vu dans le salon aussi, elles étaient pliées. Mais vraiment, elles sont très vieilles, très fatiguées. Bon, je vais dire ça pour tout, mais c'est vraiment le genre de truc que tu peux garder très 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 longtemps. Mais là, il est temps de changer. J'ai trop envie de lui prendre genre des serviettes toutes bien pliées, de la même couleur, dans plein de tailles différentes, avec un tapis de bain. En fait, je vis mon rêve à travers cet appartement. Ensuite, dernière pièce, on a la chambre. Alors la chambre, je tiens à préciser, là j'ai retiré les draps et mon père a arraché sa tête de lit. C'est vraiment une chambre, on dirait qu'elle est en travaux. Voilà, c'est une chambre normale avec 2 tables de nuit, un lit, ce miroir qui est très très bien regardé. Du coup, bah la chambre, peut-être que j'achèterai, si je trouve encore une fois, un meuble télé. J'aimerais trop vraiment lui acheter un Apple télé parce que c'est incroyable, vraiment incroyable. Et je sais que, bah comme quand il sortira de l'hôpital, je pense qu'il va quand même pas revivre sa vie normalement. Il va sûrement passer pas mal de temps au lit, donc j'ai trop envie de lui prendre un Apple télé pour qu'il puisse regarder plein de vidéos YouTube, plein de trucs parce qu'il adore. Et comme ça, il a tout sur la télé direct. Donc ça, ça va être la mission du jour. Et puis au global, de toute manière, le but, ça va être de ranger, cleaner. Et on verra si je vois des trucs, on lui prendra quoi. Ok, faisons une liste de courses un peu. Une liste de changements. Des assiettes, des verres, des tasses,
des bols, je vais mettre casserole entre parenthèses, des draps, j'ai mis mousseur à lait. En gros, j'aimerais trop lui acheter un truc pour faire mousser son lait parce qu'il est addict au matcha, enfin je l'ai converti. Et je pense que ça lui ferait plaisir d'avoir un truc pour vraiment se faire une giga boisson comme si t'allais dans un café. Serviette de bain, repose gel douche, je sais pas comment l'appeler. Panier de linge sale, ah oui ça je l'avais noté aussi. Tapis de bain, bouilloire, pommeau de douche, ah oui je veux trop changer son pommeau de douche. Apple télé, j'aimerais trop lui acheter des tables de nuit et tables de chevet. Table de nuit et lampe de chevet. Et voilà, nous avons notre liste de courses, on peut y aller. Il faut tout repérer. Elles sont belles les lampes pour la table de nuit. Faut d'abord trouver les tables de nuit pour que ça aille bien avec, mais ouais. Elles sont belles en vrai. Ouais, c'est mignon. Un vase comme ça, je l'ai chez moi, il coûte 1,50€. Il est trop bien. Ok, on est en train de regarder. En vrai, c'était pas prévu, mais est-ce qu'on n'achèterait pas ça pour la cuisine pour pas que ça soit exposé la vaisselle? Comme ça, je lui mets tout bien dedans. En vrai, ce serait trop bien. Et là, il pourrait mettre genre ses casseroles et tout. Et là, les couverts. Ça va économiser trop de place. Putain, mais grave, viens, on prend ça. Tu te sens de le monter là ce soir? Ouais, bah tu vois. Une planche à découper. Je vais prendre pour la douche. Tapis de bain, un gris, on va en prendre deux. Les draps. Je pense qu'il faut prendre un truc assez neutre. En vrai, ça c'est bien. Hein. C'est bien ça, non? Ouais. T'aimes bien? Bloqué sur les tables de nuit là. Ça c'est trop gros, genre ça fait trop bloc. Non. Je sais pas quoi en penser, ça me paraît très grand. Et en fait, y a rien qui me plaît en table de nuit là. On va prendre des couverts pour le nouveau meuble. Faut que tout soit beau. On a regardé toutes les poêles, les casseroles, je pense que je vais prendre ça en vrai. Là. Oh, là, il y a des casseroles. Je commence à avoir trop de choses là, ça m'effraie. Ok, la vaisselle. Moi j'aime bien ces kits là, je les trouve vachement bien. Enfin ces kits, c'est 7. Okay. Alors attends, ça c'est assiette creuse. Ouais. Faut prendre des bols et des assiettes. Parfait. Regardez tout ce qu'il y a, on a même pas récupéré les meubles. Il manque le meuble de la cuisine et les deux tables de chevet. On est dans la merde. Alors, il est très très tard, c'est en train de me déprimer parce qu'en fait, c'est pas comme si on avait deux jours complets, blablabla, pas du tout. On est super pressé, on n'a pas beaucoup de temps. Donc je pense que pour commencer soft, je vais faire la salle de bain. Parce que vraiment le reste, genre la cuisine. On va d'abord faire la salle de bain, ranger les petits produits, nettoyer, changer le pommeau de douche. Voilà, c'est mieux. Alors, petit problème, je crois que les outils sont au garage. Donc je vais appeler mon père, je sais pas comment je vais cacher le truc. Et en fait j'ai pas les clés du garage, oui non, je précise. Oui, c'est... J'ai une question, est-ce que t'as des tournevis? Non, c'est dans le garage. Et les clés du garage, je les ai? Oui, c'est la petite clé. On a retrouvé la caisse à outils, bonne nouvelle. Non, il m'a rien demandé. Bah, il doit se douter, je sais pas, je lui demande la caisse à outils, il m'a rien dit. Hein. En fait, l'autre jour, je lui ai juste dit que j'avais prévu samedi d'aller lui faire des courses pour l'hôpital. Pour quand il rentrerait de l'hôpital, pardon. Donc je pense qu'il croit que, je sais pas. Franchement, je déteste le bricolage. Voilà, je le dis, j'ai pas envie d'essayer, j'ai pas envie de connaître, j'ai pas envie d'apprendre. Et du coup, on dirait une débile. Même ouvrir, regardez, même ouvrir un truc, je suis débile. C'est dingue, j'ai si peu de skills. Une fois, ma mère, elle a changé mon pommeau de douche. J'ai cru que ma vie, elle était nouvelle. C'est le truc, t'as l'impression que t'as changé toute ta salle de bain. Et pas tout le monde peut changer un pommeau de douche. Ouais. C'est pas évident. Wouah! T'appuies? C'est le futur! C'est incroyable là, ça va lui changer sa vie. Au revoir le pommeau de douche, à jamais. On va trier, ça on jette. Ça, au revoir, à jamais, à plus jamais. Ça, c'est pareil, il est dans un état. Ciao! J'adore ce que je suis en train de faire. Ça, j'ai la même chose chez moi, c'est trop bien. Je tiens à préciser un truc, c'est que il y a des choses forcément qu'on va jeter parce que bah elles sont trop vieilles. Mais il y a plein de choses, par exemple, je sais pas, la vaisselle, je sais que là c'est bien qu'il change, mais on va pas la jeter. On va la donner ou on va la vendre. On va surtout pas jeter ça, je tiens à le dire au cas où. Moi c'est logique, mais on sait jamais. Je sais pas où mettre. Soit je les mets là, soit je les mets là. Là. Je déteste le bricolage. On dirait une débile. Pas mal, pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais mettre les produits dedans. C'est hyper drôle parce que mon père, tous les mois, je lui envoie un colis avec des produits. Parce que j'en ai plein. Et comme ça, il se fait une skincare routine parfaite. Et je vous jure qu'il l'a fait. C'est impressionnant. Même là, dans ses placards, vous seriez choqués de savoir le nombre de trucs qu'il y a. C'est un vrai magasin Sephora. La
Là, si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait plus dans le détail, j'aurais genre quand même trié des trucs, etc. Je fais comme je peux avec le temps que j'ai. Et voilà. Bon, c'est pas une transformation de dingue, hein. J'ai juste nettoyé. J'ai mis mon porte-savon avec le petit truc là pour qu'il mette après sa brosse à dents. J'ai nettoyé le miroir. Le seul truc que j'ai oublié d'acheter, je suis dégoûtée, c'est un panier à linge sale. Ce panier à linge sale, il est... Enfin, en fait, il bloque la porte quand on l'ouvre. Enfin, c'est grave relou et je voulais trop y en acheter un. Peut-être que demain, je pourrais... Je sais pas, on va voir. Je vais mettre genre le tapis de bain au sale, tout enlever pour que la salle de bain soit nickel. Ah non, on a oublié un truc. Tous ces trucs t'empêchent. Vous voyez, vous connaissez. On sait. On sait. Je vais faire des machines. Trop bien. Alors, le moment crucial, ce placard qui va complètement dégager, tout va dégager. Je vous le dis direct, tout s'en va. Je pense qu'on va quand même garder ça parce que c'est quand même le plat où il me faisait mes frites. Donc c'est un plat très important. Saladier, bol. Au revoir. Ça, c'est mignon. Un peu de Provence, on le garde. Alors ça, s'il y a bien un truc que j'aime pas du tout, ma mère, elle fait pareil. Avoir plein de tasses différentes, plein de verres différents. Moi, j'arrive pas. Qui, à part un papa, a plein de cure-dents comme ça? Je suis surexcitée, j'arrive à être 21h. Je suis surexcitée. J'ai hâte de voir le résultat final. Regardez le résultat, c'est génial. Il manque juste le tiroir. Ici, je vais pouvoir mettre les casseroles et tout. Oh là là, ça va être trop bien. J'ai acheté le set comme ça, c'est un peu un beige gris et j'ai tout pris. C'est un carton complet avec tout dedans et franchement, ça vaut grave le coup financièrement. Regardez, j'ai pris des petites tasses comme ça pour son matcha. Et voilà ce que ça donne. C'est trop satisfaisant. Je pourrais faire ça tous les jours. Ok, maintenant, je fais le bas, les casseroles et tout compagnie. Il est 23h30, on n'en peut plus. Regardez juste l'état. Mon père, quand il va voir cette vidéo, il va être choqué. Bref, on va revenir demain. En plus, demain, Jérémy, il doit reprendre la route pour Paris. Et moi, je pars en voyage presse Dior. La seule meuf qui part en voyage presse Dior, 8 heures avant, elle est en train de monter des meubles Ikea en jogging. Donc on revient demain, je sais pas comment ça va se passer parce que littéralement, on n'a pas le temps demain. Et je vous rappelle que l'appartement ressemble à ça. Mais ça va le faire. On est lendemain. On a rendu la maison ce matin pour ceux qui ont suivi les vlogs. On est dans un état, surtout que là, vraiment, moi, à 16h, je dois partir. Il est midi et demi et il faut entre temps que je fasse une miniature aussi, vu qu'on est dimanche. Et il faut que je me prépare. Là, l'objectif, c'est vraiment, mais vraiment, de terminer cette cuisine, de nettoyer, etc. Et à la fin, je ferai tout l'aspirateur de tout l'appart et serpillère. Mais pour l'instant, objectif, que ce soit nickel. Life is brief, don't let that get you down. Don't let that get you down. It's all gonna go away soon, but there ain't no use to you. Je pense que c'est bon pour la cuisine, il ne restera plus que la serpillière. Je suis trop contente. Faudrait que je commence à m'occuper de la chambre. Parce qu'il faut du coup retirer les tables de nuit. Il faut faire le lit, je pense que je vais aspirer un peu le lit. Parce que sur le Dyson il y a un embout. Pour aspirer les matelas, les trucs comme ça. C'est incroyable de voir des nouveaux draps dans cet appart. Faut que j'enlève mes tables de nuit. Les tables de nuit. Pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est tout simple, mais moi je trouve que ça rend bien. Et on va mettre les lampes. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais en fait, je trouvais que les lampes que j'avais vues au début là du shopping, elles étaient belles. Avec les tables de nuit, en fait, non. Donc ça, c'était pas ouf. Donc j'ai pris celle-ci. C'est, j'en ai une dans mon salon. Je les trouve vraiment trop belles. Elles sont vraiment pas très très chères. J'ai acheté deux trucs, déjà ces bougies, je sais pas si vous connaissez, les bougies Ikea, je sais plus combien elles coûtent mais genre peut-être 1€, je sais plus. Mais c'est des bougies qui sentent la vanille, ça sent trop bon et surtout elles sont toutes blanches, c'est simple hein, j'ai pas acheté la déco de l'année. Mais juste mettre des petites bougies comme ça sur la table de nuit, j'aime bien. J'ai acheté dans les deux tailles, j'ai acheté aussi un autre truc, attendez, des cactus, mon père il adore les cactus. Je sais pas si c'est pas un peu bizarre d'avoir des cactus sur sa table de nuit, au pire il le mettra ailleurs. Il faut un peu pitié mes tables de nuit quand même. C'est pas grave. Ce matin, sur le chemin pour venir ici, je suis passée chez Boulanger acheter un mousseur à lait. Je voulais prendre une bouilloire, mais en gros, c'était soit des smegs, il n'y avait plus rien en rupture de stock, soit des bouilloires à genre 10€. Et je pense que ça sert à rien d'acheter ça parce que ça va pas tenir. Du coup, bah, j'ai préféré rien acheter. Pas mal. Ouh.
Ça y est, j'ai terminé l'appartement. Pour tout vous dire, je suis allée me doucher entre temps. Avant de vous montrer un peu le résultat final, même s'il n'y a pas un changement total de l'appartement, on est bien d'accord jusque là. Mais quand même, je pense que c'est cool de faire un peu un avant-après. Je voulais quand même vous dire que ça faisait vraiment, vraiment, vraiment des années que je voulais faire ça. Qu'à chaque fois que je viens, je me dis un jour, je le ferai, je prendrai le temps, je rachèterai des trucs. C'est un peu dommage que ça se fasse au moment où il peut pas en profiter tout de suite, mais je pense que ce sera encore mieux parce que quand il va rentrer, ça va lui faire du bien. En tout cas, je souhaite à absolument tout le monde de pouvoir faire ce genre de choses pour ses parents. Ça me fait un million de fois plus plaisir de faire ça pour lui que pour moi et je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente et je sais qu'il y aura sûrement une partie de je sais pas, l'année prochaine où on rachètera un lit, on rachètera d'autres meubles ou ce genre de trucs, on refera la cuisine, pourquoi pas. C'était pour vous dire que je suis trop contente, très fière de pouvoir faire ça et que je souhaitais à tout le monde de pouvoir le faire. Voilà. Je vous présente le salon. Il est quand même un petit peu mieux quand il est rangé comme ça, avec la table au milieu. Il y a quasiment rien qui a changé en vrai, j'ai juste mis un vase, bon ça va pas changer grand chose. Mais j'ai tout nettoyé, tout aspiré de fond en comble, j'ai fait tout le canapé. Je vous jure que le meilleur investissement de cette terre, c'est un Dyson. Bon ça coûte hyper cher, hein, donc j'espère bien que c'est un bon investissement, mais je vous jure que c'est au-dessus de tout ce que j'ai pu tester dans ma vie et que ça me donne envie de nettoyer, c'est réel. J'ai aspiré toutes les chaises, tout ce qu'il y avait de possible. J'ai laissé cette nappe transparente que je déteste, mais je sais qu'il y tient, donc bon... Je lui laisse, étant donné que ce n'est pas à moi. Et sinon, voilà. Bon, en vrai, il n'y a rien de spécial qui a changé. J'ai juste tout nettoyé, tout aspiré. J'ai mis son tapis qui était replié. Ensuite, on passe à la cuisine. Franchement, ça, c'est le truc qui me rend le plus heureuse de tout ce qu'il y a dans la maison. Alors ici on a laissé le meuble et du coup c'est vrai qu'en voyant la taille de celui-ci, ça donne envie de libérer un peu cet espace et de mettre autre chose, donc ce sera sûrement la prochaine étape, mais du coup j'ai quand même laissé le meuble. J'ai tout rangé ici avec toutes les casseroles etc. Et du coup le gros changement c'est ce meuble. Franchement ils sont trop trop bien. Les petites tasses, tout est hyper bien rangé, hyper propre. Ici j'ai mis les nouveaux couverts et là j'ai rangé toutes les nouvelles casseroles et les anciens trucs qu'il avait dont il se sert. J'ai installé son petit mousseur à lait, je trouve ça trop mignon. Je lui ai laissé sa bouilloire mais on la changera du coup. Je vous montre pas trop le reste parce qu'il n'y a pas de changement et je sais que il va me dire de supprimer cette vidéo s'il voit ça sur YouTube. Ensuite attendez, où est-ce que je vais? Dans la salle de bain. Bon, j'ai juste nettoyé, etc. Ajouté un nouveau tapis de bain qui est très très bien. Là voilà, vous avez déjà vu, je trouve que ça rend très bien. En plus, je viens de prendre une douche. J'adore le pommeau de douche, j'ai envie d'avoir le même, il est incroyable. Voilà pour la salle de bain. Bon, rien de spécial, mais je vous jure qu'il y avait besoin d'un gros coup de clean, comme ça fait pas mal de temps qu'il est à l'hôpital. Bah, il y a pas le ménage qui est fait forcément. Donc, c'est un tout. Hier, je voulais absolument lui acheter des serviettes, mais j'ai pas eu le temps, comme je vous ai dit. Et aujourd'hui, en fait, c'était fermé. Donc, je vais lui passer commande de serviettes de bain. Ensuite, la chambre. Les tables de nuit sont très belles avec les petites lampes qui fonctionnent très très bien. Voilà, je trouve que ça fait une petite ambiance et le fait d'avoir mis des nouveaux draps, enfin clairement la sensation de dormir dans une chambre avec des nouveaux draps et en plus des nouvelles tables de nuit. Est-ce que vous avez déjà connu ce mix? Moi j'adore. Donc je lui ai mis ces draps là, les beiges, bon ils sont grave froissés. J'avoue là, je vous jure que le timing a fait que j'ai pas pu tout faire, mais au moins tout est bien fait quand même. Il manque plus qu'une tête de lit et là je pense qu'il sera grave bien. J'ai pas acheté d'Apple TV parce que tout était fermé, enfin c'était vraiment la galère. Mais la prochaine fois pareil, j'essaierai de lui installer. Et sinon j'ai aspiré tous les tapis, tous les trucs. C'est vraiment les petits détails qui changent tout et surtout je pense que dans la vidéo on se rend pas forcément compte. Mais moi ça fait depuis toute ma vie que je vois les mêmes choses et même si c'est des petits détails, c'est trop bien de les changer. Ok, je vous explique. Donc ce matin, mon père a été transféré de la maison jusqu'à Paris parce que demain, il est transféré à l'hôpital. Donc du coup, là, il dort chez moi en sachant que c'est du coup la première fois qu'il vient chez moi et je suis pas là. Ça n'a aucun sens. On va l'appeler tout de suite. Je suis méga stressée. Parce qu'il faut quand même avoir sa réaction. On est d'accord. Ça va? Qu'est-ce que tu fous chez moi? Je me sens bien dans cet appart. T'as vu? Te prends pas trop l'habitude.
contre, j'ai rien bouffé. Hein. Ah merde, j'ai oublié de te livrer à manger. J'ai attaqué les Pringles, là, un peu. Ouais, t'as vu le placard de Pringles? Ouais. J'ai fait des petits changements. Ah, mais des changements de... Rien, quasiment rien. C'est pour ça que tu m'as demandé un tournevis. Exactement. Bah, il doit se douter, je sais pas, je lui demande la caisse à outils. Le salon, bon, je vais pas te montrer ton salon, tu le connais. J'ai juste tout ouais. rangé, tout nettoyé. J'ai fait un changement dans la cuisine, la fameuse cuisine. Là, on a le truc, et je t'ai changé ça. Ah, putain. Voilà, tu as un meuble. Oh, il est beau. T'aimes bien? Ah, j'adore. Carrément un meuble. On t'a mis un meuble hier. Pas seulement un meuble. Je t'ai dégagé toute la vaisselle. Regarde. Ah ouais, c'est super. Oh ouais, c'est très joli. Je t'ai pris des assiettes comme ça. Elles sont beiges, ah, grises. Des tasses pour ton matcha du matin. Merci, mon amour. C'est beau, non, c'est super beau. Des verres. C'est pas fini, l'histoire. Ton tiroir à couvert. Oh putain, des couverts. Et je t'ai changé tes couverts. Et ici, ouais. Je t'ai mis des casseroles et je t'en ai racheté. Je t'ai mis deux casseroles comme ça, toutes neuves. Des poils? Oui, des poils. Je sais toujours pas la différence entre une casserole et une poêle. Ouais, bah, j'avais compris, t'inquiète. Des nouvelles, du coup, c'est des casseroles. Ouais, ça pour faire les pâtes. Ouais. Ah putain, génial. On est trop pareil, c'est gravissime. Vraiment, tu m'as vraiment gâté, hein. C'est super. Je t'ai changé ça là. J'en ai mis un nouveau. Je t'ai acheté un truc, c'est un mousseur à lait. Donc quand tu fais tes matcha, tu mets ton lait dedans et ça fait une mousse. D'accord. Pour faire... Ça chauffe en fait. Ça chauffe le lait. Pour faire comme dans les cafés. Super. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est pas fini. Pour la chambre, j'ai changé les tables de nuit. Parce que... Ah ouais. Voilà, ça y est. C'est tout simple, mais pour moi c'est parfait. Ah oui, l'emploi. Ouais, et avec nouvelle lampe. Oh oh, ça capte plus. C'est pas le moment de couper. Donc du coup voilà, c'est table de nuit et nouvelle lampe. Bah, elles sont belles hein. T'aimes bien? Ouais. J'ai la même lampe dans mon salon. Bah c'est canon hein. Je t'ai changé les deux. Je t'ai racheté des draps. Alors ils sont beiges, bon ils sont un peu froissés mais ils sont beiges. Et attends, dernier truc. Encore? Juste la salle de bain. Je t'ai jeté ton porte-savon là, de la baignoire. Horrible. Au revoir, à jamais, à plus jamais. Voilà, et je t'ai mis ce que j'ai dans ma douche, ça là. Ah ouais, ah. Ça c'est cool ça c'est chouette. Encore mieux, je t'ai changé le pommeau de douche. Il est bon, celui-là il est gros. Ouais, et j'ai pris une douche là. Laisse tomber. Là aussi je t'ai acheté ça pour ta brosse à dents. Ah c'est super, à plus tard. Ah je t'ai pris des tapis de bain aussi chez Ikea. Ça te plaît ou pas? Ouais ça me plaît beaucoup. Bon. Le meuble de la cuisine il est trop canon. Ah mais ça change toute la cuisine, t'as pas idée. C'est super beau hein. Bon trop bien, ouais. Tu vas être bien quand tu rentres, je suis très contente. Ouais c'est super. Mission réussie. Je suis trop contente. J'avais trop peur qu'il me dise un truc en mode « Mais mes assiettes » ou un truc comme ça. Et en fait, non, il adore. Je savais qu'il fallait juste que quelqu'un le fasse pour lui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis très en retard. Je dois partir. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je poste 2 vidéos par semaine, du mercredi et le dimanche. Sauf en juillet, je poste 1 vidéo par semaine et en août, je fais une pause. Sinon, je poste toute l'année. Hein. N'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que par contre, je suis active vraiment tous les jours et sur TikTok aussi. Puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.